Et salut à tous et bienvenue pour la suite de Call of Duty Black Ops 3. C'est parti. Et que Alors, d'après Kane, les disques étaient en partie corrompus. Elle vient d'extraire les fichiers de vidéosurveillance récupérés à la station. Ok. À propos de ce que j'ai fait à Gouxiolan, il n'y avait pas d'autre choix. On devait arrêter les fuites. Je sais. Je sais aussi que les immortels ne vont pas apprécier qu'on ait buté le petit Go et amoché sa vilaine frangine. Kane dit qu'indépendamment de la vidéosurveillance, on se rend sur le site de la dernière mission de Taylor, l'épicentre de la tragédie, le vieux bâtiment Coalescence. Après, elle donne votre truc. Ok. Ok, on peut y aller. Cyber noyau, noyau contrôle. C'est parti, ma poule. J'y crois pas. Tout est faux. Les images sont truquées. C'est pas réel. J'aimerais bien. Mais ça va plus loin que les meurtres de la station. Kane, dites ce que vous m'avez dit. Les infos volées se propagent tel un cancer et fragilisent les opérations de l'accord dans le monde. Ils connaissent nos points faibles et concentrent leurs forces dans les régions critiques. Admettez-le, Taylor est mouillé. C'est pourquoi on part enquêter sur sa dernière mission. L'alarme sous l'ancien complexe Coalescence. Peut-être qu'on y trouvera de quoi expliquer ses motivations. Et n'oublions pas les immortels. On en a buté un et amoché l'autre. Et croyez-moi, ils vont se venger. Ça, c'est bien vrai. Encore des butés de chinois. Et l'équipe de Taylor a répondu à un signal d'alerte prioritaire qui venait de plus d'un kilomètre sous l'ancienne usine de Coalescence. J'ai épluché les moindres informations et schémas disponibles. Ce qui se trouve là-dessous n'est sur aucune carte. C'est bien vrai. La majorité de la structure a été détruite lors de la tragédie. La meilleure option est de descendre par le silo central. Merci, Kane. C'est précieux. Bon, on va suivre les traces de Taylor et on verra si on trouve des éléments de réponse là-dessous. Le drone de surveillance confirme des signatures multiples, en haut. Les 54X. Ils sont probablement déjà à l'intérieur. Sans déconner. On vient de voir des renforts arriver sur site. On aura du mal à rester discret. Ennemis multiples en approche. Dispersez-vous. Il part en courant, il a peur. Okay.
J'attends le signal. À couvert, l'AFP est actif. Je répète, l'AFP est actif. Oh. Ce char devrait être une épave. Et il est opérationnel. Le système défensif des AFP dévie les attaques. Désactivez-le temporairement avec un tir ciblé, puis visez-le avec un lance-roquette. Visez le système défensif de l'AFP sous son noyau. Oh, coucou les copains! Bon, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Le système défensif est désactivé. Tirez avec un lance-roquette avant qu'il ne se réactive. Continuez de viser le système défensif. Ne vous arrêtez pas. Bon, Plus vite! J'ai utilisé un système trophique! Moi j'aimerais bien, mais j'ai pas de bazooka. J'aimerais bien. J'ai pas de lance-roquette. C'est ça, avec le lance-roquette, oui. Allez, faut détruire cette merde. Connectez-vous au panneau. Un simple piratage devrait faire l'affaire. On s'ennuie jamais, hein? C'est sûr. Cette journée est pleine de surprises. Bienvenue chez Coalescence. Votre futur vous. Veuillez vous présenter à la réception avec votre groupe. Je vais nous faire entrer. Oh là là là.
cadavres sont là depuis plusieurs jours. C'était sûrement avant l'attaque de la station classifiée. Il porte la signature de Taylor, Hendrix ? Peut-être. Une seule balle en pleine tête. Ouais, mais soyons honnêtes et arrêtons de nous poser des questions qui n'en sont pas. C'est clairement l'œuvre de Taylor. La CIA les a envoyés ici pour s'occuper de ces fouineurs. Oh. Faites pas attention, ok ? Je suis vraiment pas d'humeur aujourd'hui. Je capte un champ électromagnétique dans la zone. Qui comme une sorte de petit la appareil tablette. Électronique. C'est peut-être sur l'un des corps. Je l'ai. J'envoie les données. C'est intéressant. Les pillards ne sont pas venus par hasard. Ils ont été renseignés par le CDP. Activation du drone. Message reçu et compris, Hendrix. Je synchronise les données du drone sur votre ATH. Ah bah on y va. Hey. Je sais bien que ça sert à rien de ressasser tout ça. On y va. M'en fous, on y va. Attention, tu marches. C'est plutôt haut. Je passe devant. La vidéo du massacre. Tu penses que c'était un montage ? Je connais Taylor depuis longtemps. Je vois pas comment il aurait pu faire ça. Oh là. Peut-être qu'on s'est trompé sur son compte. Quand bien même. Ça n'explique pas Hall, Mariti et Diaz. Pourquoi ils auraient fait ça ? On dira ça au clair. Une façon de. Ça. Merde. Ces ordures des 54 rayons de l'avance. On fait quoi maintenant ? Je crois qu'il est temps qu'on se présente. Bisous ! Attends, je vais quoi de courant, c'est vraiment... Il est temps qu'on se présente. Passe devant, on te suit. Attends.
vois strictement rien. Voilà. Allez Jean-Claude, viens. Vous essayez de nous envoyer dans un trou noir, Kane? Je veux la même chose que vous, Hendrix. Mettre un terme à cette situation avant qu'elle n'empire. Ça, c'est bien, oui. Attention, ça marche. C'est pas super stable. Pourquoi les robots se comportent comme ça? C'est peut-être dû à une surtension. Cette surtension, c'est pas normal. Waouh, l'eau texture. Waouh, l'eau texture. Je gère la porte. Passe en dessous et avance. Que sur le rendu, ça le fait. Attends. Tu veux comme ça? Ah non, sur le rendu, ça le fait pas. C'est l'eau texture. Soit encore opérationnel après ce qui s'est passé. Et on ignore totalement ce qui se trouve là-dessous. Surprise. D'après le drone de reconnaissance, elles viennent de là. Alors, quelqu'un veut parier $100 qu'on va tomber sur un truc merdique en bas? Non? Wow! Qu'est-ce que c'est? Wow! Wow! Hendrix, et vos cibles? Voilà. Oui. Alors, quelqu'un veut parier $100 qu'on va tomber sur un truc merdique en bas? Non? Wow! Qu'est-ce que c'est? Wow! Wow! Hendrix, et vos cibles? Bon, c'est parti. Allez, va te faire foutre. Va te faire foutre. Alors, quelqu'un veut parier $100 qu'on va tomber sur un truc merdique en bas? Non? Wow! Qu'est-ce que c'est? Wow! Wow! Hendrix, il vous cible! Allez. Alors, quelqu'un veut parier $100 qu'on va tomber sur un truc merdique en bas? Non? Wow! Qu'est-ce que c'est?
Wow, wow. Hendrix, il vous cible. Il fait un fuck sur la télé, la même chose. Alors, quelqu'un veut parier $100 qu'on va tomber sur un truc merdique en bas? Non? Wow! Qu'est-ce que c'est? Wow! Wow! Hendrix, il vous cible! Strictement rien. Ça n'a aucun sens. Qui est-ce qui contrôle ces robots? Je ne sais pas. Pas moyen de localiser la source pour l'instant. Freeze. Je continue. Magique, c'est elle. Ok. J'envoie le drone de reconnaissance. On va bien voir jusqu'où va ce trou noir. C'est plutôt sombre par là. Je vous conseille d'activer la VA. Entendu. Plus vite. Le drone va pas nous attendre. Ça c'est bien vrai. On ira. Voilà. On fait quoi là? Je vais attendre l'autre con, il est où l'autre con? Putain, il prend son temps, allez. Hey Jean-Claude, viens. Viens Jean-Claude. Kane, on a trouvé le drone de reconnaissance. Enfin, ce qu'il en reste. C'était sympa tant qu'il marchait. Attendez. Laissez-moi regarder ce panneau de plus près. Attends, je le casse. Ça vous dit quelque chose? Ça ressemble à un projet classifié de la CIA. Bon, si cette merde était là au moment de la tragédie, ils ont pas pu envoyer une équipe de nettoyage. Jusqu'à Taylor. Je crois que quelqu'un veut enterrer quelque chose. Ça, c'est bien vrai. Les traces de sang mènent par là. Bon, on ouvre. Jean-Claude, ouvre. Jean-Claude. Ouvre. Bon. Qu'est-ce qui se passe déjà ici, ça. Voilà. Puis il va s'ouvrir, voilà. Parce que je suis pas con, moi. C'est quoi, bordel? On y va Jean-Claude. Wow, tout se calme. Mais où Jean-Claude? C'est là qu'il faut aller Jean-Claude.
mais Jean-Claude, déjà. C'est quoi, bordel? Bon. Allez, allez, allez. Initiation. On reste vigilant. Voilà. Qui sait sur quoi on va tomber? Oui, les gens sont bien vrais. Je n'ai jamais vu ce genre de comportement chez un robot. Ça ne fait pas partie de leur programme. Ils se sont affranchis de leurs paramètres de base. Ok. D'après le GPS, la source du signal devrait être par là. On va voir ici maintenant. Putain de merde. Hendrix, regardez ces panneaux de contrôle. Je peux peut-être extraire quelque chose des disques locaux. C'est bon. Kane. Vous y êtes. Ça ne devrait même pas être là. Les tests d'IDN sur les humains n'étaient pas lancés au moment de l'accident. Pas officiellement. Je pense pas que ces gars aient été volontaires. Ils sont tous reliés à un serveur central. Jed Young. C'était notre contact? Ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. S'il est mort, pourquoi... Pourquoi on a trouvé des gars de la CIA assassinés selon son mode opératoire? Juste une minute, Kane. La CIA nous amène, elle nous met en contact avec un inconnu, et on se retrouve sur un site classifié de la CIA. Ça te paraît logique? Brix, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas encore. Mais ouvre grand les yeux et les oreilles. Ça, c'est bien. Surtout avec Kane. D'accord. Tout va bien, Hendrix? Moi et Kane, ça va. Ok. Je capte une activité réseau dans une salle de serveur, quelques étages plus bas. Hey! Ça peut pas être une coïncidence. On y va! Oh là là là! C'est sombre par là. Activez la lumière! Bien reçu! Je capte des radiations là-dedans. Allez-y doucement, ça risque d'affecter votre système central et votre VA. Ah oui, ça c'est bien vrai. Hein. Allez, open the door. J'ai besoin d'aide pour monter. Je peux peut-être trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Bang. Bien sûr, moi je vais me faire attaquer hein, parce que sinon c'est pas rigolo. Ah, même pas. Oh, c'est pas rigolo. Tu nous as ouvert la porte, Hendrix. J'ai rien ouvert. Allez, cobaye là. Et Jean-Claude, tout calme. Hein. Ils sont dans l'eau! Allez, je les attends, moi. Allez, Jean-Claude, moi je bute tout le monde et toi tu fous rien, c'est quoi ça?
Kane, la VA est revenue. Bien reçu. Je capte une grosse surtension électrique devant vous. La brouille de robot là-dedans, Kane. Doucement. Prenez votre temps. Kane, j'ai été séparé des autres. Tirez la salle du serveur et trois vents. Sortez de là ! Il y a une sortie droit devant. Mais t'arrives jamais, c'est toi qui es trop nul. Je sais que ça ressemble de plus en plus à un complexe de recherche en armement qu'à un laboratoire biotech. Les produits chimiques libérés pendant la tragédie n'ont jamais été clairement identifiés. Je suis le seul à croire que ça a été étouffé. Jean-Claude, il est où? Je suis tout seul, moi? Vous m'entendez? Vous n'avez pas à faire ça. Le sang sur nos mains ne peut pas être lavé. Vous savez qui je suis. Je vous demande de partir. Loin d'ici. Kane, j'entends la voix de Diaz sur un canal fermé. Taylor avait raison. On doit révéler la vérité au monde. Oh non. Il est relié au serveur. Il utilise son IDN pour transmettre toutes les données stockées ici. Il dirige les robots. Il contrôle leur intelligence synergique. Il va provoquer une surcharge de son cerveau. Écoutez-moi. Nous devons l'arrêter. Nous devons tout couper. Il est en train d'envoyer tout ce qui se trouve sur ses serveurs à nos ennemis. Nous devons régler ce problème. Je dis juste qu'il se défend, donc tactiquement. Parce que qu'est-ce qu'on vient foutre ici aussi? Yas, tu dois arrêter ça. Ce qui t'est arrivé à toi et aux autres, tu dois y mettre un terme. Et m'attaque. Je suis prêt à mourir pour la vérité. Pourquoi il m'a pas attaqué? Yaz, tu dois arrêter ça. Ce qui t'est arrivé à toi et aux autres, tu dois y mettre un terme. Je suis prêt à mourir pour la vérité. La seule façon de déconnecter Yaz du serveur est de détruire le noyau. Ok, j'ai compris. Donc, techniquement, je ne peux pas faire ça parce que il faut que je mette tout le monde. Ok. Yaz, tu dois arrêter ça. Ce qui t'est arrivé à toi et aux autres, tu dois y mettre un terme. Je suis prêt à mourir pour la vérité. La seule façon de déconnecter. Bon. Yaz, tu dois arrêter ça. Ce qui t'est arrivé à toi et aux autres, tu dois y mettre un terme. Je suis prêt à mourir pour la vérité. La seule façon de déconnecter Diaz du serveur est de détruire le noyau au-dessus de lui. Accédez au système primaire pour moi. Si on maintient un lien actif, je devrais pouvoir identifier les points faibles du noyau. C'est vous le boss, madame. Concentrez vos tirs sur les tours de refroidissement autour de Diaz. Ça exposera le point d'accès correspondant du noyau. Une fois ouvert, vous devrez monter dedans pour y larguer une grenade. Tour de refroidissement 1, exposé. N'écoutez que le son de la voix. Concentrez vos tirs. C'est votre refroidissement d'accès. Laissez vos pensées divaguer. Mais je peux pas exploser. Bon. Yaz, tu dois arrêter ça. Ce qui t'est arrivé à toi et aux autres, tu dois y mettre un terme. Je suis prêt à mourir pour la vérité. La seule façon de déconnecter ce du serveur est de détruire le noyau au-dessus de lui. Wouh! Yaz, tu dois arrêter ça. Ce qui t'est arrivé à toi et aux autres, tu dois y mettre un terme. Est-ce que j'arrive, ouais? Je suis prêt à mourir pour la vérité. La seule façon de déconnecter Diaz du serveur est de détruire le noyau au-dessus de lui. Kane, je suis dans la salle de contrôle au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Accédez au système primaire pour moi. Si on maintient un lien...
lien actif via votre IDM, je devrais pouvoir identifier les points faibles du noyau. C'est vous le boss, madame. C'est bon. Concentrez vos tirs sur les tours de refroidissement autour de Diaz. Ça exposera le point d'accès correspondant du noyau. Une fois ouvert, vous devrez monter dedans pour y larguer une ressource. Tour de refroidissement 1, exposée. N'écoutez que le son de ma voix. Laissez vos pensées divaguer. Laissez les mauvaises pensées s'estomper. Laissez la tour pour exposer le noyau. Tour de refroidissement 1 déconnecté. Noyau exposé. Rapprochez-vous. Il faut placer un explosif directement dans le conduit exposé. Grenade a sauté. Kane, est-ce que ça a marché? Oui, c'est bon. Noyau central à 66%. Okay. J'essaie d'ouvrir la tour de refroidissement 2. Plus vite, Kane! Je vais pas tenir longtemps à ce rythme! Y aller. Tour de refroidissement 2 est connecté. Noyau est exposé. Vous vous trouvez dans une clé. Il y a une autre grenade dans la tour. Les arbres doublent vos en silos qui touchent le ciel. Quelques coups de neige, puis un blanc pur tombe autour de vous. Oh non, je recommence depuis le début et je... Ça va. Et oui, en plus, ça va. Allez, c'est moi qui le bute en premier, mais c'est moi qui crève. Allez. J'essaie d'ouvrir la tour de refroidissement 2. Plus vite, Kane! Je vais pas faire longtemps à ce rythme. Allez, j'essaie d'ouvrir la tour de refroidissement 2. Plus vite, Kane! Je vais pas tenir longtemps à ce rythme!
Laissez-les vous envelopper. Vous réconforter. On doit désactiver ce serveur. Faites sauter la tour de refroidissement. Ah, mais ça, c'est bien vrai, ça. Hein. Imaginez-vous dans un lieu calme. Tour de refroidissement 2, déconnecté. Voyons est explosé. Imaginez-vous dans une forêt enneigée. Vous savez que ça lui grillera le cerveau. Je sais. Vous ne comprenez pas. Je connais ce type. Je me suis battu à ses côtés. Il n'a pas mérité de partir comme ça. Je suis désolé. Tout va bien, Hendrix. Je la vois. La forêt enneigée. Oh putain! Kane! Vous avez vu ça? Vu quoi? Qu'est-ce que vous avez vu, Hendrix? Il y a eu quelque chose? Hendrix! Taylor recherche deux survivants de la tragédie de Coalescence. Il a déjà quitté Singapour. Mais comment est-ce qu'il a pu partir? On ne trahit pas son pays sans se faire de nouveaux amis. On a de la visite tout en haut. Ce sont les immortels. Ils sont en bas, ceux qui ont tué mon frère. Oui, oui. Mes hommes sont en route. Est-ce qu'on a reçu l'emplacement des bases de la CIA? Oui, madame. Inondez tout. Mes hommes sont encore en bas. Faites tout sauter! Qu'est-ce que c'était que ça? Sûrement les deux amis de Taylor. Hendrix! On a des explosions multiples dans tout le bâtiment. Vous devez sortir. On a compris. Les 54 sont très nombreux en surface. Ils vont sauter le bâtiment pour vous noyer. Allez, plus vite. On n'a plus le temps. T'as pas le temps. Oh putain, il fait trop noir. Commencez à scanner les survivants. On doit savoir qui Taylor recherche. Je parcours
devrait me prendre que quelques minutes. Kane, j'espère que vous avez un plan, parce qu'on va bientôt se noyer. C'est bon, je vais vous guider. Ouvrez cette porte et inondez le labo. Quoi? Vous êtes dingue? Pas si ça marche. Vos poumons devraient contenir bien assez d'air pour vous amener à la surface. Ok, mais si ça dégénère, j'en viendrai vous hanter, Kane. Bon, on fait quoi, là? On me dit pas qu'il faut que je bute tout le monde. Ça a aucun sens si je dois buter tout. Encore quelques secondes. Bien sûr, hein. Fais quoi? Ah, je dois aller avec... Un coup de main! Allez, Jean-Claude. Sous la chair, sous la... Ok, on reste bien groupés. On n'est pas encore tiré d'affaire. C'était quoi ça, cette... Attendez, la merde. Quelque chose perturbe ma connexion. Attrape. C'était de la merde. Ça va? Ça va aller. Kane. Kane. C'est pas bon. Diaz a transmis l'emplacement de toutes les bases de la CIA dans le monde, y compris celle-ci. C'est confirmé par le drone. Les immortels sont déjà en route. On ne peut pas les arrêter. Vous devez quitter Singapour. Accrochez-vous, Kane. On vient vous chercher. Et alors Genre les immortels, voilà, c'est un petit groupe d'hommes. C'est pas une armée. Pas l'intention d'en discuter. Tu sais qu'ils veulent qu'on vienne la chercher. Ils veulent qu'on voit les conséquences de nos... Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé, de vous liker, de vous abonner, de partager la vidéo si vous avez vraiment aimé. C'était Dulbuk pour la chaîne des campagnes de vidéos. Salut à tous. Ciao.